Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo assez ouf comme vous l'avez vu au titre. Je suis accompagné de Paulia aujourd'hui, du frérot. Comment tu vas Paulia? Ah, ça va nickel, bonjour à tous en tout cas les frérots. Est-ce que Paulia t'as bien enregistré, t'as bien tout fait? J'ai pas envie de relancer 400 fois les, les paramètres. Ouais, ça fait 20 bon. Minutes, c'est je suis en train bon, de lui parler pour voir qu'il a tout de bien fait. En tout non, cas, ça fait super plaisir fois, c'est la première fois. D'être avec lui aujourd'hui, ouais. Les frérots. Aujourd'hui, d'ailleurs, nouveau concept. Je vais vous l'expliquer très simplement. Ça va être tout simplement un espèce de random artefact. Je sais pas trop comment on va appeler ça. On verra bien avec le temps. Mais le principe, c'est quoi? Ça va être très simple. On va faire trois choses. Un donjon, une hypostase ou un boss à 40. Et puis, un world boss du type soit Loup du Nord, soit Storm Terror. Le but, ça va être tout simplement d'effectuer tout ça ensemble et de voir qui a les meilleurs drops à la fin. Et celui qui perd, on fait quoi, Paulia, celui qui perd? Franchement, en vrai de vrai, moi je dis un 5 euros. Ah ouais, vas-y, ouais. 5 euros, ouais, là, tu lui, il paye le petit abonnement au mois à l'autre, c'est ça? Ouais, voilà, faveur de l'astre, 5,50€. D'accord, vas-y. D'accord, on verra. On verra peut-être pour... comme un grec. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez des petits gages en plus. Qu'on fera en stream ou en vidéo, ça attends, sera marrant. Attends, par contre, je vais dire direct, hein. Attends, si je gagne, toi pas tu me donnes aussi, hein. On est bien oui. D'accord. T'inquiète ah, voilà. Pas, y a pas de... J'ai parlé, donc... c'est moi qui paye, toi tu payes. La première partie s'effectuera sur ma chaîne, les frérots, la deuxième sur la chaîne de Paulia. N'hésitez pas d'ailleurs à aller vous abonner, je vous invite vivement à aller voir la chaîne du frérot, elle sera dans la description tout simplement. Il fait pas mal de lives sur YouTube et en plus il en fait quand je suis pas là, donc encore mieux, n'hésitez pas à aller checker. Comme ça, si vous avez des petites périodes où je suis pas en live, vous pouvez aller checker, ça fait toujours plaisir. Donc écoute, est-ce que t'es prêt pour le premier donjon déjà? Franchement, je suis prêt, je suis avec mon petit Venti et ma petite Klee. Normalement on va faire du sale, ça devrait être nickel. Vas-y. Ça marche. Imagine on meurt. Non, imagine non. On meurt. Non, dis pas des trucs comme ça. Attends, je vais soigner ma Klee. Attends. Comment ça je vais... Vous voyez, il commence déjà. On va commencer la vidéo, je vais soigner ma Klee. Non, on sait jamais, tu vois, on sait jamais. On va quand même pas se taper la honte. Vas-y, tranquille. En plus, je suis niveau 44, ça veut dire. J'espère que t'as toutes tes résines. Non, c'est bon, t'inquiète. J'ai mis 120, okay, je suis pas un escroc. J'ai dit 5,50€, okay, je vais accepter tout cela. T'inquiète, tout va bien se passer. Ça va être nickel. Voilà, Venti. Ouais, moi, Kekin, vous connaissez les mecs. Hein. Et on va. C'est bizarre le hasard. Putain, Kekin. Oh là là. Kekin, ouais, t'as vu. Tu l'aimes quand même. Hein. je vais me rename Kekin Master, moi. Ça y est, ça va être mon nouveau nom de scène. Ah, mais go Kekin C6, non? Un petit peu, non? D'ailleurs, si vous voulez voir tout ce qui est test de perso et surtout les lives où on rigole bien, n'hésitez pas à passer sur le Twitch, les frérots, qui est dans la description, c'est Moha et SMT. D'ailleurs, je fais de la coop avec vous très souvent. Ah, aussi, abonnez-vous, bien sûr. Hein. Abonnez-vous quand même. Ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, la plupart du temps, tu sais, c'est eux qui me carry en vrai. Hein. En bah, vrai, la plupart sais, du temps, c'est eux qui me carry. Je vois quand même, tu sais, je suis là souvent quand même. Si vous voulez venir me carry avec votre Venti, les mecs, parce que... Waouh, fait des vrais dégâts, ta Klee, toi, hein. Ouais, bah après, tu vois, bon, on joue un petit peu, quand même. Non, en vrai, moi j'ai pas à rougir avec mon incroyable Kekin C1. Vous connaissez, les mecs? Non, là, ça devrait être pas... Là, ça passe. Ah, on est en train de les bousiller, là. On est en train de les bousiller fort. Bah après, c'est normal, feu électro, enfin, ça passe. Le combo feu électro, c'est vraiment trop fort avec la surcharge. Bon, du coup, on s'occupe de qui en premier là? Parce que. Et même Venti, tu vois, en fait, Venti, il permet que bah, les mobs ils bougent même pas en fait. Genre, on peut enchaîner tranquille et. Exactement. Non, Venti, c'est vraiment trop fort hein, pour le coup. Au début, non, tu vois, je. Ah, mais même moi, au début, je pensais, en fait, c'était même le premier conseil, je disais que bah, faut garder en fait un maximum. Mais Venti, c'est un must-have à avoir, vraiment. Il est incroyable. Après, parce bon, il y a Zhongli et Child, il va bientôt venir, alors, en 20 comptes. Je pense que, tu vois, faut attendre, il y aura sûrement des persos comme Venti, en fait. Tu vas invoquer sur Child, d'ailleurs, toi? Ouais, moi, c'est un petit peu, c'est à peu près sur... T'attaques dans le vent, là, ou quoi, là? Non, il est invisible, ah, en fait. Ah oui, mais... bah, moi, je le vois pas, moi. Regarde, il est là. Okay, et d'ailleurs, il m'a touché. Wouah, y a les dégâts qu'il m'a fait. Attends. Hop, voilà. Ok, on va finir ça. Voilà, c'est bon. Et bah, c'est nickel. Allez. Voilà. Premier drop, on va voir des... Hey, par contre, je vous mettrai, vous inquiétez pas, l'écran de Paulia en même temps. Quand il va drop, là, il y aura arrête. Un switch à un moment. Hey, tu vas me porter... Par contre, on est d'accord. Hein.
Ah, tu fais pas ton ulti, hein. Je sais pas si tu l'as, je crois pas que tu l'as, mais tu fais pas ton ulti quand je fais tomber non, les non, récompenses. Non, t'inquiète. Il y en a déjà qui m'a fait ça en stream. Je vais tuer Dokkaido Sunshine. Je vais tuer, tu le sais, ça. Putain. Ouais, déjà, un 5 étoiles. Moi, un 5 moi, étoiles, je vais déjà. Rien dire, je vais rien dire. Non. Un 5 étoiles. Ah, j'ai eu 2 épiques, la base, enfin, le minimum. D'ailleurs, c'est vous qui allez juger dans les commentaires aussi, les frérots, hein. Parce que nous, on va donner votre avis, mais c'est surtout vous qui allez le donner dans les commentaires pour savoir qui est le gagnant. Donc pour le moment, on regarde. Attends, on regarde les substats aussi quand même. Attends. Bien sûr, on regarde tout. Ouais, on regarde les étoiles, les substats, tout. Après, bon, vas-y. Comme c'est du épique, je t'avoue que moi, honnêtement, je suis désolé, moi, team légendaire, il n'y a pas d'épique, moi, avec moi. Bon, alors je vais commencer. Oh non ! Attends, est-ce que ça a bien crash ? J'ai l'impression que ça a crash, moi. Ah non, c'est bon, d'accord. Non, ouais, non, j'ai eu c'est... peur. Commence là, pas. J'ai eu peur. Commence pas, ouais, Brilia, commence pas. Je te jure, hey, mon temps de chargement. Oh là là, hey, c'est je trop le mettrai dommage, dans frère. La vidéo, mais tu zoomes sur le temps de chargement. Là, je rigole pas. Il est non. J'avais peur. C'est trop dommage. Donc, qu'est-ce alors, qu'on moi, a... qu'est-ce qu'on a alors Moi, j'ai eu j'ai eu un sablier. Donc, le sablier, là. Le set dégâts animaux. 5 étoiles. Par contre, la stat principale, c'est PV%. Et substat, toute critique, attaque, PV, défense. Je vais pas te mentir, j'ai même pas envie de montrer les substats. Je vais passer à autre chose. Montre-la à l'écran, de toute façon. Bon, déjà, après, je vais montrer là le truc, là, la défense. Là, il a mis de la défense. Ah non, franchement, il est claqué le mien. Ce qui nous intéresse, de toute façon. PV, c'est défense. Des... Hey, c'est un truc substat, défense. Il est claqué. Hey, je vais jamais l'utiliser. Il va être renforcé en fait, le truc. C'est n'importe quoi. Bon, les sabliers des miracles et tout, moi perso, je les passe pas, ça sert à rien, ça c'est les items que j'ai jamais utilisés. Après, en vrai, attends, les fleurs du miracle, je sais plus c'est quoi ça, attends, je vais revoir. Alors, 7 de 2 pièces augmente tous les res élémentaires de 20% et 7 de 4 pièces, les dégâts élémentaires subis augmentent la res. Ouais, ça détruit pas... de résistance. Ouais, en gros, on fait ça avec les items principaux des donjons, tu vois, donc là c'est les items de résistance et de dégâts anémaux. Et du coup, bah voilà, ouais, c'est ce que j'ai eu. Ah, j'ai eu aussi. J'ai eu un petit matin de la demoiselle, là, le truc de soin. Ah, tu vois, attends, c'est l'hypostase, là. Je te vois pas, là. Vent, on va aller vent. Vas-y, allez, go. Ah, mais, tu sais quoi ? Ouais. L'item animaux, dessus, j'ai eu des PV en pourcent. L'item soin, j'ai eu attaque pourcent, substat attaque, taux de critique. J'ai envie de me flinguer. Putain, non, mais tu sais que moi j'ai des gros artefacts leg qui sont en défense et des trucs comme ça, mais ils non, sont... mais ça fout trop le seum, hein. T'as une défense et t'as des gros substats, t'as des gars critiques plus 8%. Et du coup, t'as eu quoi en gros? T'as eu vraiment. Donc ah, non, je gagne ce round là? Franchement, j'ai eu PVDF, et honnêtement, j'ai même pas envie de. Eh, franchement, mais même pas les. On va les mettre quand même, on va les mettre quand même. T'as dit, non, franchement, là je suis abattu. Abattu carrément. Là, je t'ai abattu, c'est nul. Là, c'est trop, c'est nul. Attends, en plus, t'as pas eu de 5 étoiles. Ouais, franchement, j'ai pas eu de 5 étoiles. Et le pire, c'est quoi? C'est que même les trucs, en fait, c'est du défense et ça va jamais être utilisé. C'est juste un truc à foudre, en fait. Ouais, c'est ça. Mais pas pareil, hein. De toute façon, c'est dommage, hein. Mais bon, après, c'est le taux de drop, hein. On n'est pas encore niveau 45. Quand on sera niveau 45, là, ça va, je pense, être plus intéressant. Ouais, enfin, en vrai de vrai, pour choper la substat que tu veux et déjà, la stat principale, c'est compliqué, mais substat plus attaque. Oh, laisse tomber. En plus, la galère, c'est que les artefacts. C'est grave fastidieux à farm, genre les artefacts deux étoiles et tout, tu vois, pour feed. Mais le truc, c'est quoi? C'est que là, grâce à Hipposta, on pourra tenter d'avoir, parce qu'il y a les mouvements vagabonds et il y a les gladiateurs. Je sais pas si tu sais c'est quoi les mouvements vagabonds, mais c'est pour la maîtrise élémentaire, c'est assez utile. Ouais, je l'ai sur... Vas-y, viens, bah let's go du coup. Vas-y, allez, go. Allez, j'ai mis ma cli, la petite fichelle. J'ai enlevé le venti, parce que bon, il va servir à rien quand même. il va juste gratter le dos, là. Bon, hop. Là, on va prendre cher, là. C'est pas grave. Ah, ok. j'ai dit, on va prendre cher. Ah, bah, bon. Je m'attendais pas. Bon. Heureusement que t'as la chance que ma cli ait fait des 10 000, hein. T'as de la chance. Hein, que... Je m'attendais pas. C'est pas grave. Mais c'est que ma fichelle aussi, elle a pris cher. Hein. Mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse autant de dégâts, le truc, en fait. Ah, en vrai, c'est les dégâts basiques qu'il fait, c'est normal, c'est le monde, bah, c'est le monde 5. Non, mais en fait, je pensais que j'allais. Tu sais, parce que j'ai du vol de vie avec l'arme principale, du coup. Je me suis dit, j'ai pas récupéré. Voilà, bon, et on a presque dans le vide. Fini. Hein. Un ulti dans le vide, un.
Moi, je t'avoue que, en vrai, la... non, franchement, la clé est tape trop forte. Et le pire, c'est quoi? C'est que le stuff, il est même pas opti sur la clé que j'ai. Hein. Et elle fait des fois des 20k ouais, et c'est... tout. C'est n'importe quoi. En vrai, c'est très dur d'opti les stuff. Dans Genshin, ça va prendre pas mal de temps. Si vous ça avez prend déjà pas mal stuff... de temps, mais c'est bien en fait. C'est, au moins, tu te dis que ça, c'est pas. Ouais, il y a une marge de progression. Et... Ouais, clairement. Au moins, t'as des objectifs à faire un petit peu dans le jeu. Tu te dis pas, ouais, c'est facile de telle ou telle chose. Il y a certains jeux, bah. Et pour monter les personnages, c'est assez easy. Bon, après, je dis pas que je veux pas les monter, mais voilà quoi. Ah, on a tout récupéré là. Ouais, c'est bon. Bon, on a tout récupéré. C'est quoi? Ouais, j'avais vu un petit truc de. Ouais, je suis bizarre. D'accord. Bon, peut-être j'avais eu un bug d'affichage. Hein. Un peu. Allez. Ah, faut le goumer là. Bah ouais, mais là il est invincible, frère, donc. Non, là tu peux l'attaquer dans les airs. En fait, tout ce que tu peux faire, c'est activer le vol de vie quand il est invincible. Bah voilà, hop là. Voilà, tu fais enfin des dégâts dans le jeu, voilà. Alors attends, le moment de vérité. Est-ce qu'il y a du jaune? Ah, oh, je vais appuyer. Il y a pas de jaune, mais j'ai eu un item gladiateur. Est-ce que t'as eu un item gladiateur? Moi j'ai eu pareil, j'ai eu Trion gladiateur, justement. J'ai eu Trion gladiateur, en plus c'est... je l'avais jamais eu en épique en tout cas. D'accord, moi, attends. Nostalgie moi j'ai du eu gladiateur. En légendaire, d'accord, attends. Non, bah, t'as eu un 5 étoiles hein. T'as eu un 5 étoiles? Non, 4 étoiles, comme toi, la même chose, 4 étoiles. D'accord, ah, ma nostalgie du gladiateur. Ah, mais la nostalgie, c'est. Attends. C'est ce que j'ai tout le temps en plus. Attends. Ah. C'est quoi les substats parce que. Aïe. Dis-moi. Je suis abattu. Allez, dis-moi. Maîtrise élémentaire, recharge d'énergie. Et c'est un truc défense, magnifique. C'est lequel que t'as eu? C'est la en gros, j'ai eu une substat défense en principal, mais dans les petites substats, j'ai eu recharge d'énergie et maîtrise élémentaire. Mais gros, l'artefact, c'est quelle place? C'est gladiateur hippique. Ouais, mais c'est quelle c'est une fleur, c'est une plume, c'est un sablier. C'est les couronnes, enfin pas les couronnes. Ouais, ah c'est d'accord, couronnes. Ok, couronne. Trion du gladiateur. Bah, ouais. Et c'est 4 étoiles. Hein. C'est donc, ça. Moi j'ai eu 4 étoiles, la fleur, donc la fleur, de toute façon, la stat c'est bloqué à PV de base. Ouais. Par contre en substat j'ai eu un petit attaque pourcentage et défense. Donc c'est utile on va dire, ça va c'est utile. En vrai je vais pas mentir que je pense que le meilleur des drops là ça va être juste après. Là ça va être le total. Ouais, de ouais, non mais justement là, c'est là, pour en fait, ça. Là, le début franchement, tu vois, t'as pas. C'est la mise en bouche. C'est la mise en bouche, c'est après qu'on va faire. En fait, il y a entrée, il y a le petit plat, c'est le petit plat et il y a exactement, le vrai plat. Exactement, voilà, t'as tout compris. Vas-y, bon, du coup, attends, let's go. On se téléporte. Ah Loup là, du là, Nord, là. Les frérots, mon boss préféré. Aïe, le boss, musique, il est incroyable. Hein. Attends, en plus, je vais l'ajouter. Attends, je vais mettre la musique dans mes oreilles. Parce que bon, ouais, dans tes oreilles, pas ça, dans le montage, frère. Parce ouais, que déjà, je me fais strike. Non, mais eux, ils vont revenir et vont me dire. Tout va bien se passer, t'inquiète. Imagine, ils me strike la musique. Non. Ils disent, non, toi, on t'aime pas. Il y a aucun strike. Je l'ai fait plein de fois en plus. Je rigole, t'inquiète. Faut mieux en rire qu'en pleurer, tu vois. Faut mieux en rire qu'en pleurer. Non, c'est vrai. Non, mais je te dis, t'as raison. Faut mieux en rire. C'est mieux de pas se prendre la tête sur ça. Par contre, ouais. Là, je vois, il y a zéro heal. Je vais pas te mentir que ça sent la défaite à Da. Si... Ah ouais, attends. Je vais mettre Kiki, attends. Je vais mettre Kiki, c'est bon. Okay. Mais Kiki, elle heal aussi les persos de mon équipe à moi Ouais, t'inquiète. T'inquiète, parce que moi j'ai Barbara, mais vas-y Barbara. Je vais mettre le combo Kiki Klee de toute façon. Flemme un peu de Barbara, t'as vu. Ah, la team Kiki Klee, franchement, la team des minots. Ah là 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 là. Aïe, ça, grand débat ça. Toi, Paulet, il a que des enfants dans sa team. Ouais, il a une moyenne d'âge de 12 ans. Non, il a une moyenne d'âge de 12 ans. Ah, râler, moi c'est. Non, franchement, incroyable les personnages. D'ailleurs. Je suis en train de me dire un truc, mais il n'y a pas de vieillard dans le jeu, genre il n'y a pas, tu sais, un petit genre de maître, tu vois. Ouais, j'avoue que... Un mec qui est un peu dans la quarantaine minimum. Bah déjà, Zhongli, tu vois, déjà il a l'air pas très très jeune, non, Non, Zhongli c'est un daron, mais tu vois, c'est un daron de 30 ans, tu vois, il est dans la fleur de la jeunesse, tu vois, il est BG et tout ça. Mais moi je te parle d'un... C'est un peu un maître daron, vraiment daron, genre dans les 45 ans, tu vois. Il y a des PNJ, tu vois, comme ça, mais bon, voilà. Ouais, mais bon, les PNJ, ils ont zéro flow. Après, les PNJ, ils s'appellent Jing Dang Dong, il y a des trucs comme ça. je vais rien dire, mais voilà. Quoi. vas-y, monte la falaise, monte. Je vais arrêter de parler. Il veut me faire strike ma chaîne, lui, ça y est, c'est bon, il commence. Non, mais le pire, c'est que je rigole même pas, parce qu'en fait, il y a Dong Dong, donc c'est le petit.
je rigole pas, il y a un mode, y a un PNJ qui s'appelle Dong Dong. Et on a même, bon, je vais... Non, je vais arrêter, je pense, la blague. Il va me faire des problèmes. Oui. Non, mais quand même, team Dong Dong dans les commentaires. Ah, le loup du nain, en gros, incroyable. Oh, je suis pressé aussi que Tartaglia, là, il arrive. Ça nous fera un boss en plus. Ah, c'est vrai. C'est vrai que ça pourrait être pas mal, en plus, pour le concept et tout. Ça, bah, ouais, ça permettra exactement, de faire ouais, beaucoup parce plus que... de choses. On pourra après, le faire je sais trois pas fois si et tout. Enfin, ça sera stylé, quand même. Je sais pas si c'est un boss solo, tu vois. J'espère que c'est un boss à deux. Mais je crois pense que plus c'est un solo, c'est un solo. Ouais, je pense que c'est un solo parce que tu sais les boss du mode histoire comme ça, la plupart... bon, je sais pas, on verra bien. Mais en fait, le loup, il est sur la map, alors que l'autre, ça sera comme un donjon, comme ouais, exactement. T'as raison. Bon, ouais. T'es prêt? Vas-y, go, allez, BG. Prêt là, voir le beau gosse arriver, vas-y, let's go. Dernier drop, les frérots, le plus incroyable. N'hésitez pas à envoyer de la force avec les petits pouces bleus, ça fait plaisir. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, gros. Minimum. J'ai envie d'avoir un loup chez moi. Tu penses que je peux en acheter un? Un loup? Je veux un loup. Ouais. Non, tu veux. Déjà, juste un petit chihuahua pour toi, ça peut être capable. Petit chihuahua, c'est pas. Comment c'est un chihuahua, frère? De quoi tu parles? Parce que c'est ton niveau, genre. Donc, aïe. Ah ouais. Ah, par contre, tu es en train de me. Ah non, mais de toute façon, Non, mais là, je sais très bien que là, tu vas pas dropper. Tu sais, là, on est en train de s'entraider pour le boss, mais. Je sais très bien que là c'est fini, toi. Il est en train de faire quoi, lui, encore? La caméra automatique est incroyablement bien placée, comme d'habitude. Hein. En vrai, franchement, c'est toi qui la place, man. Moi, j'ai aucun problème de cam. Non, y a pas que moi, j'ai vu sur plein de stream et tout. Ah, il s'est taillé. Bon. Non, même pas. Bon, t'as de la chance que la clé ait fait pas mal. Par contre, on est allé trop vite, là. Il est même pas dans la deuxième phase, il est déjà. On l'a éclaté, frère. En fait, le combo, franchement, tu sais, Keking plus Klee, ça fait trop mal. Enfin, ouais, de vraiment... ouf. Hein. Même avec Chi-Chi, hein. Chi-Chi, c'est incroyable aussi. Hein. Ça par contre, le mal, loup, hein. Je crois qu'il est duper, hein. Il a visé. Je sais pas, il vise quoi. J'étais où en fait? Ah ouais, c'est bon, t'es là. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ah, vas-y, allez, let's go. Trop beau, gros. Trop beau. Ok, là, il va faire la transformation. Là. Incroyable, gros. Oh là là. Oh là, la petite musique qui arrive là. Ah, moi, j'ai pas la cinématique, moi, comme toi, putain, dommage. Jure. Ouais, parce qu'en fait, c'est comme toi, c'est toi qui l'a lancé, j'ai... Non, t'as pas la cinématique quand c'est toi qui... Ouais, passe pas. Ah, j'étais pas au courant, ça. Bon, par contre, moi, je suis en train de me... J'ai les dégâts comme une de mer, là, depuis tout à l'heure. C'est... Bon, après, je me dis que t'as Chi-Chi, donc t'as vu, c'est... Non, c'est pas grave. Non, t'inquiète. Ah, on est en train de... Ah, on lui met là, c'est fini, là, il est mort. Bon, il est mort, hein. Voilà, c'est bon. Bon, franchement, c'était assez rapide, en vrai. Ouais, non, beau gosse, hein, franchement, j'aime bien de ouf. Non, après, c'était parce qu'on... En fait, si j'aurais... Alors, attends, attends, t'as ouvert ou pas? Est-ce que t'as ouvert? Non, j'ai pas ouvert, je t'attends si tu... Si vas-y, on fait un décompte. Vas-y, de... vas-y. Attends, est-ce que t'es déjà sur où il y a écrit fleur de ligne énergétique, activer la fleur de ligne pour récupérer? Ouais, bien ou sûr, c'est ça le con. Ok. Non, peut-être t'avais pas encore cliqué sur, sur le truc. Vas-y, 3, 2, 1, 0. Oh non! Oh! Aïe! T'es quoi? J'ai eu deux artés légendaires. Non! J'ai eu deux artés épiques. Sérieux? Oh la remontada, ouais! Moi j'ai eu un seul légendaire et trois épiques. Eh, bon, attends. Et tu vas voir dans le montage, et je te jure, ça fait, ça fait plaisir de voir ça. Attends, je vais te dire ce que j'ai eu. J'ai eu deux hautes formes du chef d'orchestre. Une nostalgie du gladiateur et la plume du gladiateur. Alors. Moi j'ai eu deux hauts de forme du chef d'orchestre, mais en légendaire. Et deux 5 étoiles, moi j'en ai qu'un. J'ai eu deux plumes de la flèche du lyriste, 4 étoiles, et en plus j'ai eu un truc gladiateur. Nostalgie du gladiateur. Bon d'accord, bon on va voir. Attends, on va voir. Note bien ce que t'as eu dans ta tête. Okay. Moi je sais, j'ai eu deux items gladiateur, deux items avec l'autre forme. C'est bon, t'inquiète. On va voir les stats. Bon, on commence par le légendaire, on finit par le légendaire. J'ai eu aussi une plume d'exilé aussi. Ah, j'ai eu pas mal de choses. Ouais, plus de l'exilé. Bon, après, les trucs plus de l'exilé, tout ça, bon, voilà. Non, en vrai, c'est pas mal. C'est pour la recharge d'énergie. C'est... Ah ouais? Sur un Vanchi, c'est vraiment, ça passe. Ça peut vraiment bien passer. Bon, je vais commencer par les premiers trucs. Les trucs un petit peu basiques. Moi, Nostalgie du Gladiateur, donc ça, c'est. Ouais. C'est la fleur. Ouais. PV, bon, c'est PV de base. Maîtrise élémentaire, attaque. Pas en pourcent, juste. Bon, donc ça, c'est pas. C'est...
Ouais, c'est pas incroyable. Alors, déjà, moi aussi, la nostalgie du gladiateur, bah, je parle un petit peu parce que t'as aussi la même chose. Moi, j'ai eu de l'attaque 12, j'ai eu du PV, enfin, un truc super basique. Par contre, j'ai eu une plume de flèche du lyriste, elle est un petit peu goldée. Il y a déjà une attaque en pourcentage à 4%. Après, sinon, voilà, c'est pas ouf, mais au moins, il y a 4%. c'est un mignon goldé, tu vois, c'est un mignon. Ouais. De toute façon, t'as attaque de base sur la plume, c'est dans ça. Tous les cas. Et moi, attends, j'ai eu quoi sur la main du coup? Destination du gladiateur. Attaque en pourcent, 3,7. Et défense, 4,1%. Et toi, t'as eu quoi, tu m'as dit? Moi, j'ai eu de l'attaque plus 4%. Après, j'ai ouais. eu, comment dire... Je vais mettre PV et défense. Après, dans l'exilé, par contre, moi j'ai eu beaucoup d'artefacts vraiment dans mon truc. Mais dans l'exilé, j'ai de eu... la destination du gladiateur. Ah, le truc lambda que j'ai vu. Ouais, j'avais eu PV def, c'est. Enfin, pas ouf. Genre, ah, t'as eu PV def. Ouais. Ah, donc la mienne elle est meilleure. Ok. La mienne elle est meilleure. Après, maintenant, par contre, sur les flèches de l'iris, franchement, je me suis mis bien. Vraiment, je. Maintenant, je vais voir le haut de forme. Donc, le premier que j'ai drop, le 4 étoiles. Vas-y, aïe, aïe, aïe. Je vais aller voir aussi un peu. PV. Un petit peu si j'ai des trucs. Hop. PV stat principal. Oh, c'est trop dommage. PV stat principal, dégâts critiques, attaque en substat. Oh là 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 là. Allez, goldé. Oh là là. Déjà, il y a dégâts critiques plus 7%. En stat de base. Ouais, et la grosse substat, c'est attaque. Attaque, dégâts critiques plus 8%. Après, attaque plus 14. Ouais. Bah attaque en pourcent, genre, tu sais, la stat principale, le haut de forme. Ouais. Et de l'attaque, tu sais, en principal. Ouais. Après, j'ai eu dégâts critiques plus 8%, l'attaque plus 14, j'ai eu PV plus 6%, et défense 7,3. La vie, j'ai. Bon, alors attends, je vais regarder le mien du coup. Ok. Aïe, 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 aïe. Défense, stat principal, PV, dégâts critiques, pourcent, attaque, pourcent. Ah le pire, c'est que moi, en plus, tu sais, quand Jadem, j'ai eu encore un autre forme, et il a de l'attaque encore en principal stat, et franchement, je suis content, il a de l'attaque en stat principal, et il a dégâts critiques plus 6%, enfin 5,4, et attaque plus 19, en défense plus 21. C'est pas le meilleur des trucs, mais franchement, les deux artefacts, je les aime bien. Faut que je les up après, si... Faudrait que je les up pour voir un petit peu ce que ça fait, mais... Insane, je suis content. Moi, je suis content. Je pense que cette fois, je pense que t'as gagné. Hein. Je pense que t'as gagné sur le légendaire. Je sais pas. Attends, c'était quoi le légendaire que j'avais juste avant? Oui, c'était celui-là devant, mais la stat principale, c'était des PV. Bon. J'avoue que l'autre forme, le double attaque en plus avec du dégât crit, là, c'est vrai que c'est pas les meilleurs substats, mais vraiment, ça tape. En fait, pour un personnage comme Cliff, hein, qui joue en maîtrisé ouais, monter, c'est ouais, vraiment ouais. bien. Justement, je vais le monter clairement. En même temps, comme ça, je vais regarder un petit peu aussi. Vas-y, si tu veux parler un petit peu. c'est à vous de décider dans les commentaires, les frérots, sur qui a gagné entre nous deux. Il y a encore la revanche qui va se passer, du coup, sur la chaîne de Poléa, encore une fois, dans la description. Je vous mettrai sa chaîne, n'hésitez pas à tous aller voir pour donner de la force et à vous abonner, ça ferait grave plaisir. Non, d'ailleurs, après, abonnez-vous à Boustache aussi, quand même. Attends. Si vous avez apprécié la vidéo... N'hésitez pas à nous le faire savoir, je suis en train de me creuser la tête depuis plusieurs semaines pour essayer de trouver un truc sympa à faire. Comment t'as trouvé ça honnêtement, très honnêtement? Vous savez, donc ouais, dites la vérité ouais, ici. Franchement, moi je l'ai déjà dit, tu vois, quand tu me l'avais dit et tu me l'avais proposé ouais. et tout, j'avais kiffé un peu parce que ça permet de changer. Ah, je dis rien, mais j'ai eu 15% de dégâts critiques, ça a augmenté. Oh là, c'est bon. Bon. Voilà, mais en fait, si tu veux, franchement, le concept, il est vraiment pas mal. Déjà, ça te permet un peu, c'est comme un peu des invocations, tu sais, en jeu. Ouais, ouais, y a un peu avec de... les artefacts, et comme les artefacts, un petit peu, c'est les choses les plus importantes dans le jeu, parce que si t'as pas des bons artefacts, dans le jeu, c'est t'es bof, tu sais, tes personnages, ils sont pas ouf. Et ouais, non, c'est franchement, ça permet d'aider, même de comparer les taux de drop et tout, j'aime bien. C'est drôle, hein. Ah non, ouais, c'est drôle. Franchement, j'ai kiffé aussi. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Écoute, un grand merci à toi. Tout simplement, c'était un plaisir de faire la vidéo avec toi. T'inquiète, franchement, pareil, là, j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé parce que j'ai 15% de dégâts critiques, moi, c'est bon. En plus, c'est le pire dans l'histoire, c'est quoi? C'est que pour ma Kekin, je devais drop... Pour up ses aptitudes, je devais drop l'anneau de Boreas, là, le truc que tu peux drop sur le loup du Nord. Ouais. Et j'ai drop sa queue. Du coup, je suis bien dégoûté.
Voilà les joueurs. En parlant de dégâts critiques, désolé, je te coupe, mais 21%. Voilà, Non, mais je pense qu'on va arrêter de parler des items. T'as triché, il a augmenté ses items, moi je les ai pas augmentés. Bah, parce qu'en fait, il y avait de l'avenir dans l'item, je me suis dit pourquoi pas. Bon, on va se laisser ici, les frérots. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. C'est un réel kiff. Je vous dis à la prochaine. Comme d'hab, un max de soutien. Et puis, portez-vous bien. Beaucoup de luck pour vos invocations. Ciao, ciao. À la prochaine.